Bonjour, Ndeko journaliste. Bonjour, Pénaba Congolais, Messani Kolanda Bissona Congolais Télévision. Plus de 144 000 abonnés, Bazas Kotchina Mintu Kolanda Bissona à travers notre chaîne Congolais Télévision. Actualité, ça a beaucoup plus dominé Kounana Est, la République démocratique du Congo, Tomoni, déploiement imminent de l'armée sud-sudanaise dans l'Est, la République démocratique du Congo, pour renforcer toujours l'effort et la force régionale. Et au Salam Salam, Kounana, la partie Est, la République démocratique du Congo. Tout le monde, quand me concerne le gouvernement Samuel Kone, le chef de l'État congolais, demande à un rapport de taille pour na chaque ministre, alors que ça, le rapport de performance, na est déposé pour le total en gouvernement. Il a fallu avoir une démission de trois ministres pour que Tataï Kolamboka Abete Makambo est concerné. Rapport de taille sur les performances de chaque membre du gouvernement. Ça, mais aussi, Abete Makambo est concerné démission. Il y a ministre Cherubin Okende, Christian Mwando et puis. Robert est concerné qu'on est vice-ministre et à santé, madame la ministre, Véronique Obazaleki Bongo, Azali Bongo, et ensemble pour la République, il y a Moïse Katumbi, Mandimi Kotika, le fauteuil ministériel, pour nous continuer l'élite, il y a mon amour, Moïse Katumbi, et ensuite, Robert est en Italie, élection 2023, comme on a enrôlement et électeur, pour ça, mais il va s'enrôler, il va vraiment satisfait de la qualité et la carte de lecteur. On a bureau d'enrôlement au CENI à chacune la distribution de moment encore une fois mon amoka. Fabrice Bellam, on rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue encore. Merci Ndeko journaliste. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité autres, toujours comment se porte la santé politique qui est la République démocratique du Congo? Ah oui, actuellement santé politique qui est à RDC. Ils allaient dans moins bilinga juste dans l'Est de la République parce que dongolomisu. Ils ont continué à attaquer, à atrocité, à messana qui ont été comme d'habitude pendant les années passées. Mais ils ali yango te ke mutu ko lembisa biso pour être toi ba ko sécuriser ba bayi congolais bazali na ngambo ya est ya république te. Mais santé politique actuellement président de la république azali toujours déterminé ya koé ba ko sil sa ba atrocité wana tôt ou tard quel que soit ngonga o ekozo biso ki me ko kota na est ya république. Très bien, Kimi Okota na Est République, tout peut être maman concerné toujours Est République, nous retirons du Congo. Tout le monde a Kimi là, il y a des tas de colas, c'est là qu'il y a des démarches diplomatiques, il y a eu une force régionale, c'est là que je suis ma belle congolaise, la seule congolaise, allez-je dire, le Mokola, le Mokola, le Mokola, le déploiement, il y a armée sud-sudanaise, pour équiter na ma belle au Congo, pour continuer toujours à éradiquer les ennemis au Congo, au Bengue, au Congo, au M23. Concernant la sécurité et la République du Congo. Quant à la présence, il y a force sud-sudanaise, Oyel Mabela Mboka. Est-ce que Kimia Kozonga, parce qu'on a déjà cette force régionale, à Anakati Mabela, mais Kimia Kozonga, ils arrivent vraiment à témoigner mon amour. Mais au moins, une force régionale, il y a sud-sudanaise, tant qu'on va y aller, c'est-à-dire qu'il faut répondre à l'appel du chef d'État ou du Bazali à EAC. Bah, on va juste un renforcement, il y a troupes au déjà ils allient dans l'Est de la République. Mais après la chef de l'État, EAC m'a beaucoup moins attaqué, EAC allait je dis EAC plutôt, mais qui mieux peine dans l'Est de la République, ils allient témoin dans mon cas. Pas trop longtemps, tout le monde a une déclaration politique. Oh, bah, M23, bah, ça, il y a moi, dans mon cas, bah, oui, l'ingo, moi, elle porte parole au Lobaké. Avant que Kimézon, il faudrait que le gouvernement, au niveau de Kinshasa, négocie. Non, négociation est alité. Négociation est alité parce qu'un gouvernement surier, le gouvernement de la République démocratique du Congo, il faut disposer à ta quelques minutes pour que solo là, dans les groupes armés ou les terroristes, RDF, M23. Bango bazali ba terroriste ya Paul Kagame et troi ko solana bango te parce que bazali wana pona ba intérêt ya Rwanda et na groupe troupe oyo et côté des gens na Est ya République et goye ba ko banda musala parce que le lo M23 ba terroriste ba tika la tam kete ko to sa ba koro ezala ki signé na Nairobi na Rwanda. Le quoi à Rwanda ba ba ko signé ba koro wana bango bazali ko to sa te
et cette fois-ci armée collecte en action. D'ailleurs, à l'occurrence, on a déjà lobby FARDC, Abimisa qui déjà bah, avion ou les alliés militaires et bah, qui déjà pour ça la mort entraînement n'engamba et bandekoana malgré bah terroriste et bah quel copé sa bilan ou et frappe bah on basuite mais je suis sûr est-ce que on a qui met au côté parce que mission à bango ils allaient déjà au côté ils sont bilingue en est et à République mais cette fois-ci mais le même M23 va vous maintenir toujours intention à bango pour quoi attaquer Villa Goma mais tout au sentir que force régionale apparemment qu'on faut ils ont sécurisé vraiment bah frontière la bise au témoin à Moka Fabrice non frontière ils allaient sécuriser mais question ils allaient y a quoi et bah été bah Rwandais bah allaient macasse dans infiltration par exemple, le Rwanda a déjà, bah, il y a quelques militaires qui sont allés à Rwanda, bah, ils ont infiltré déjà la République démocratique du Congo. Ils ont déjà à Kinshasa, bah, ils ont été en pour nous couper ce message, nous sommes allés à ça et nous allons toujours dévoiler et bah, nous allons frapper dans ce cas nous allons aller à ça. Bah frappe dans ce cas nous allons aller à ça, mais quand on a la frontière, le territoire est bien qui est occupé là. Na M23, mais tandis que force régionale les alliés, faire de ces alliés, et l'autre côté, c'est la matière congolaise pour continuer à couper sur le plan sécuritaire, il y a Est, la République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment des avancements positifs. Non, bah, avancer les alliés. Quand on a congolais, les alliés pour couper, oui, au moins, il y a le bac à Mouto et à Ligny Kimia, il fallait causer la bitumba. Parce que ceux qui ont bondi, au long du bitume, dès qu'il met au côté, ils allaient au gouvernement, ils allaient comme ça là. Tous allaient na bitumba, na ba terroriste, ba homme d'affaires ouana, au bas allaient toujours comme ça là. Mais comment on entend que bon, on est au gang à temps, mais pourquoi la diplomatie agissant, t'as quoi la moka, ils ont vraiment juste na na place. Mais non, ils allaient diplomatie, parce que ceux qui ils allaient qui diplomatie, au moins que mon affaire. Diplomatie, ils allaient où? Puis autre, comment on va commander? Mais les lots, par exemple, au comment la force régionale, bah on a bas allé na Est et République, bah pays et banda qui qu'on soutenait Rwanda à l'époque, comme d'habitude. Le même pays où on a soutenu Rwanda, c'est-à-dire sans y déjà Rwanda, a commis qu'on dénoncé agression au Rwanda, ils allaient comme ça là dans le territoire congolais. C'est-à-dire étape où on a local déjà Toleki en haut, Rwanda ils allaient qu'on déjà la sanction et sanction au gouvernement et à Paul Kagame et Kozwa. Rwanda a qu'on ait la sanction au France ils allaient là. Emmanuel Macron, vous allez président de France, Joe Biden, vous allez président des États-Unis, vous, en tant qu'analyste politique, vous allez dire que Rwanda a besoin de sanctions. Non, Rwanda a besoin de sanctions. Parce que les lots, au moins, je crois, ils allaient qui, ceux qui lobbyent, ils allaient qui s'y mettent à lobby. Au moins, le Parlement américain, et il y a déjà qu'ils allaient dans procédure à besoin de sanctions contre Rwanda. Parce que soutien, on va soutenir les Rwandais, dans le gouvernement de Paul Kagame. Ils allaient qui soutient mon copo et les Congolais. Et les Congolais, assis à Fongole Miso, Makambo et les Kaka, ils se sont dit qu'ils ont la biso. Message que vous lancez, les Allies, Est et la République, qui m'a eu la parce que dans Rwanda, ils allaient dans Rwanda, et ils ont eu la guerre dans le guerre dans le territoire congolais, pour qu'ils aient la matière première, la RDC, qu'ils aient construit dans le Canabon. Voilà, et les Kalis se mais quand tu as le M23 a toujours déterminé à attaquer Villa ya Goma, tout le monde a dit qu'en quelque sorte, cette présence des forces régionales ressemble au bio, au que s'est renforcé, et à l'armée sud-soudanaise, et qu'il y a un mabélé. Tout le monde a dit que M23 a gagné toujours terrain, surtout il insiste, tant que le gouvernement à Kinshasa a respecté par accordé, il continue toujours qu'on frappe. Non, M23 a zali na position ya ko attaquer Goma. Oui, mais raison pour laquelle omoni avion militaire ya FARDC et ba iko sala moi tout, mais omoni gouvernement ya Rwanda ba meki déjà collé là parce que ba beta ki balança ki moi projectile monko pour essimba avion ya FARDC malgré ya moi zalagi déjà dans le territoire congolais, dans zela ya Lac Kivu kuna, mais omoni projectile ba on ba boka ki wana. Et tira la qui touché armée na bis et avion na bisoté projectile loana et koyaki na mai ba preuve ezali c'est-à-dire armée rwandaise ils allaient toujours coopérer na ba M23 ba terroriste au ba moro ba créer mais ba zali ko attribuer par contre la ba zali ba oui ils allaient ko porter parole M23 bien ba ko combattre le pouvoir en place ko eza awa ba ko entretenir via ba congolais malamuté corruption le qui makasi
bon, on va aller groupe politico-administratif qui lutte contre le pouvoir en place, qui traite le pouvoir à Félix Tshisekedi en réalité. En quelque sorte, d'après moi, le pouvoir pour un groupe de gens bien réservé au jouir dans le pouvoir. Mais non, Wilingoma est terroriste. Et du fait que ce monsieur est terroriste, à Kosibir sort yaba terroriste. Pourquoi? Les lois moni na gouvernement ya Ndeko Félix Antoine Tshisekedi depuis a comme président de la République. Moyibio ba on va mesana ki koyiba ezali jusqu'au salement totalement. Du fait que ba komi trop surveillé, yo so mona muto ya labuki na tongo azali kozonga na $10,000 na poko ananda konae et yo yega kambala moko boye. Au Kati, $10,000 au Mutabanda Rozo en Aro, Abanda Rozo en Aélo, au Théâtre et la fin du mois. Ils allient, et loco, ils allient facilité. Bandeko, on a pas mis ça na mafia, na corruption, ou ils allaient qui entretenir au sommet de l'État. Et du fait que Ndeko Félix a lingi, maseki, lissus, pour na koye, ko zanga, ba congolais, nanzela, est et la République, à Kati, ba bilo, koana. Chef de l'État neti a lingi, lissus, ba je na bangote ya koyeba ko bomba congolais ndeo moni ba homme d'affaires wana ba yebi ko sangana pona ko intensifier le logo mona M23 izala kité ba ba ko sela bango ba mixage mais nanzela ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le logo moni par exemple Assemblée nationale ezui décision oyo intégration nanzela ya FARDC ekoki susu ko sala ematé c'est-à-dire M23 aza déjà na femoko oyo ekoki po na bango nyonso bakosala bakoki susu kosala mixage te na armée et bako intégrer susu FARDC neti bango bako intégrer susu FARDC mission na bango ezali kosila RDC toza susu na embargo te c'est-à-dire FARDC au prochain jour bako ma puissant et bako frappé neti Rwanda azali kotinda ba militaire en complicité na Uganda pour bah bako renforcer FARD et bah bako renforcer groupe terroriste créé na Bangomoro M23 et FARD c'est qu'on frappe tant on frappe qu'on banda yo somo na bitume bundaka na Congo matanga na kokunda bande ko na bakufaka et celle na Rwanda on a tout compris bitumba iza na Congo mais bibembe ekunda maka na Rwanda c'est-à-dire en quelque sorte ce sont des Rwandais qui nous attaquent et du fait que bango bazali ko attaquer biso biso peut ko se défendre. Et défense wana eko senga ete FARDC e bakolanda bato wana tibisika bazali ko uta tant on frappe ko salema o komona Paul Kagame akolela akozonga isusu na télévision pour na kolela très bien kota la déploiement des forces soudanaises o tomoni mona mboka Moïse Katumbi ko telemela mwa koloba a quoi ajoutons arrêtons de réduire nos FARDC donc présence des forces régionales pour la Moïse Katumbi zali bo ko réduire puissance bien force à FARDC pour nous défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo na mboka mais non ils ali ko réduire force et à puissance à FARDC ce qui troupes régionales ayé ils ali troupes ils ali ba étrangers mais yé mo repé muto tangeli nga zali étrangers. Comment Roy coopère mais Azali étranger. OK. Et comment Roy cause à la contre troupes wana et pour na côte ça ko imposer qui mien na est la République. Moi na mboka wana otangeli ngai azana bila oyo a traversé et ko banda époque ya régime passé. Azana kati ya bila wana tant oyé azala ki gouverneur ya Katanga. Atrocité et ba ki kozala toujours na est ya République. Etant ba atrocité on ezala ki ye mo na mboka otangeli nga wana apesa ki proposition ni parce que bazala ki na pouvoir. Non to bana kokosa ba congolais te. Mo na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na bonne volonté et a manifesté yango lelo tozali komona ba résultat to ebi ke non pays tel Rwanda et agresse la République démocratique du Congo. Rwanda mutu infiltra biso. Les lois ebani na nzela ya Félix Antoine Tshisekedi mais moi na mboka otangeli ngai wana azala ki gouverneur à l'époque oyé azala ki gouverneur azana bila oyo a partager nan deko oyo azala ki président ya régime na bango et les lois oyo biso tozali ko sibir ezali régime na bango batu bakotisa ba biloko wana à l'occurrence au monde moi na mboka oyo azala ki na mutu ya mboka à l'époque azali ko nommé bateau bazali na ba groupes armés ba comment ti ba généraux
Nenge tozalia wa na mixage loko la esalemaka nenge ba mesana na ba kor ba sinyaki elelo armé tozana ba généralo bazali bazala ba groupes armés bazala na ba tête ba groupes armés tozana ba colonel o bazali infiltré na kati elelo manzela Félix Tshisekedi neti ba boyi makambwana et il faut mona bango basala ba intensification et bazali sous ko intoxiquer population comment na force régionale na kati ya est ya république baye pona ko sécuriser pe ko imposer est ya république ki me ekota donc tozela bango basala musala parce que far de ces ala ki wana pendant ki ende ko katumbi azala ki gouverneur mais ba kongole ba bandai ko kufa na est ya république far de ces ala ki wana pendant ndeko katumbi azala ki gouverneur asil se ki guerre ya M23 na akimse ki M23 na bunagana na 2002. Mais non, il fallait toyer baka. Hakim Saki M23. Bon, ceux qui tokei na ordre d'idée, Hakim Saki M23 na 2012. Mais avant Hakim sa M23 na 2012, comment ba terroriste bazala ki na groupes armés à M23? Tu peux exemple ngo lobi que moi na moga Moïse azala ki wana Fardé azala ki wana ba ko ba neko kufa. Biso pe to zongi soko biso ke ke Fardé azala ki wana Moïse ka to ba gouverneur Basili Saki bitumba. Basili Saki bitumba te. Au contraire, bah, on va tout basa yé te bitouma. Mais au moni, ceux qui M23 existent qui? Parce que zala qui groupes armés, bah, on va dire qui? Comment expliquer un gouvernement? Mais biso to ndima ki bango. Mais lelo nzela, tant ba koloba ki na ba bozala bazala ki loger na Kinshasa pendant 14 mois sous pouvoir le président actuel bana ba loger ki bango. Mais ceux qui bazala ki loger pendant 14 mois na Kinshasa. Wilingo makoyi ko bimisela biso video. Abimisa video isika bazala ki loger na Kinshasa, bimisa video. Mais pour na rappel, te rappeler que M23 ezali groupes armés oyo ezali ya Paul Kagame. Paul Kagame a opéré ki pour na infiltration. Et lelo komona ce qui M23 réellement ndenge au lobby ba disparaîtra ki et lelo ba sali retour comment? Parce que bazala ki na basalaki na accord basinyaki na gouvernement à l'époque accord wana ezalaki basala mixage et omoni basoda mususu bazale na ba groupes armés bayebaki kokota na armée et le lonenge tozali koloba bazali na FARDC et mosala wana ya koyeba kotamise ezali mosala ya kosala ya ngomba ngomba onte parce que le loko mona bato mususu bazalaki na régime passé bazali ko évoquer au nom pourquoi pas président ya république Azali ko déclarer tout simplement guerre contre les Rwandais. Mais toi ko déclarer guerre contre les Rwandais aussi longtemps que bino bato bozala na régime passé, bo kotela biso ba infiltré na armée. Bozali ko le chef de l'État a déclaré guerre contre les Rwandais aussi longtemps bino bo kotisa ba Rwandais baza na kati ya armée. Wana bo koki ko kosa biso te. Botika président ya mboka asala mosala to kotamise omoni chef de l'État tango alobaki Azali kosala mosala ya déboulonnage et Azali komona a déboulonné nanzela ya ba politiciens o bazali infiltré parce que lelo yo il y a des politiciens o bazali pe impliqué bazali koluka toujours ki me kota na mboka te mais bakoye bakokanga bango et tango bakokanga bango bokomona il y aura des congolais bakoloba o non Azali Azali kosala bongo pona kotia bango mal à l'aise très bien aussi longtemps Azali ba congolais mususu bazali ko opérer na ba groupes armés pona kozwa ka kanyaka oyo il fallait ya na ekolo bango batiaka na mabenga na bango très bien mwana mboka Fabrice Belanga yende to kobeta ni makambo tali actualité politique ya République démocratique du Congo mwana mboka to beta makambo concerné gouvernement ba wario le président de la République demande un rapport détaillé sur les performances de chaque membre ya gouvernement oyo ezako kamba na mwana mboka Sama Lukonde tata ekola mboka nozeleka ka ba ministre ba démissionnaire pour asenga rapport ya performance ya chaque membre au gouvernement non tata mokonzi ya ekolo abandaki kozela des ministres tomoni ba ministre ba démissionnaire ba tie trouble na gouvernement Sama mwana mboka non ba tie trouble te d'ailleurs bino bozali ba panzi sango il fallait boyer la biso avant rapport et à chef et à gouvernement et bima et tout ils allaient publier parce que vous allez déjà rapport et vous allez déposer et puis débattu dans le conseil des ministres et à premier vendredi à 2023 c'est-à-dire le vendredi prochain où comme on a déjà rapport et vous allez détailler dans la table et à chef de l'État mais motuna ils allaient
bande communiste oyo ba démissionné na politique bazali totalement ba homme d'état parce que moto azali nommé même si ozala qui proposé na liste ya parti politique tant au komi ministre au komi mandataire public ya l'état ozali sous mandataire to ministre ya parti politique été bande ko ba démissionné wana ba banda ki kozwa ba décision au nom ya ba parti politique na bangote mais ba banda ki ko engager l'état congolais ezali juste immaturité politique au immaturité politique tant on demande ko sale la loi à la loi envers la personne qui l'avait proposé pour servir l'état non ko lo bana mona mboka chairman okende mona mboka mwando et puis ma madame la vice ministre ya ministère ya santé kuna Véronique Bazalé qui proposait par moi dans Moka Moïse, car tout le temps, moi dans Moka Moïse, vous m'avez loué, ignore sacré, donc ils étaient dans l'obligation, il y a Bazalé, toujours loué envers moi dans Moka Moïse, car tout le monde. Vous voyez combien ils ont une maturité politique. Mais ils ont une maturité politique parce que les lots, démission. Ils ont une notion existe. Ce qui est le but de la communauté, c'est que les Congolais ont été en train de se faire peut-être un piaka. Ils ont été en train de se faire un piaka. Ils ont été en train de se faire un bon. Mais ceux qui ont été en train de se faire conviction, ils ont été soutenus pour se faire un bon moussala wana na ko démissionner. Mais pour le cas sous-examen, il y a des bandes qui ont été en train de se faire une immaturité politique. Parce que Netingai boye nazali na loyauté na parti politique. Oui, mais du fait que nazali non nommé te comme membre ya gouvernement to mandataire public nazali ko représenter l'état te nazali na loyauté vis-à-vis à parti politique mais ceux qui ba nommé ngai quelque part na comme ko représenter l'état congolais na kozala sous na loyauté na parti politique te parce que je représente un état. Mais vous serez ma toujours action, redevable envers votre parti politique. Mais redevabilité wana par exemple ceux qui ont ali ba ndeko ba démissionner bazali redevable devant l'Assemblée nationale, ils ne sont pas redevables devant leur parti politique. Et na yaronde na bengi bazali na immaturité parce que un homme d'état a koki ko démissionner te pour na ba conviction oyo etali parti politique comme un fait privé. Bango bayeba ki kopona parti politique comme un fait privé aussi longtemps bazalaki ba homme d'état ba prouver biso incapacité non immaturité politique parce que bango ba bandai ko engager l'état congolais. Vous voulez une capacité na immaturité politique tant ba démissionner ba décision sur comme ko bimana na autres elle a quitté ba na fin en 2022. Mais par exemple comment on des ministres démissionnaire il y a secteur il y a transport Ndeko wana a démissionné. Est-ce que okoki komona mutu a préparé qui déjà coup azali ko démissionner le 23 mais à partir déjà ce qui a démissionné oui le 23 azo qui déjà décision il y a ba affectation il y a mise en place mais lobby azali komona ministre wana a démissionné. Non, ce sont des aventures. D'ailleurs to kosenga na secrétaire général il y a ministère, il y a transport, aye ba ko appliquer ba décision illégale, il y a égoïste et wanate. Ndeko ministre Cherubé Okende azali ko kende a démissionné ki lobby, mais azwa ki décision avant démission na ye a té déjà batou na ye. Mais c'est de l'immaturité politique. Ya on a baigné ezali immaturité politique. Un ministre na yebi ke non na ko démissionné na le 23 par exemple, na ko démissionné le 23 décembre. Mais à partir déjà, il y a le 22, il y a eu une décision pour na Kokoti Sabatouba, ça la mise en place. Non, ils ont la caté. C'est de la tricherie. Donc, on a tout simplement, dans le secrétaire général, il y a ministère, il y a transport, il y a exécuté l'ordonnance de arrêté ministériel, il y a M. Wanate. Ezali totalement. Quand le ministère de transport, il y a qui géré par moi, dans Moka, Chirubin Okende. Le ministère sur le plan positif ni le ministère sur le plan positif il y a ministère il y a Ndeko Ajira qui
Mais bino bozali ba journaliste et ko senga na bino nde bo sala qui na pesi position na ngai sur le plan positif parce que nazali sur le plan positif chez na politique non sur le plan positif kota la ministère à transport ni rolo ba sur le plan positif oh chérubin OK na non non azana positivité té parce que chérubin a sali azana positivité té parce que le lobby démissionnaire non non a commis des missionnaires té ndé omoni na lobby ki azali na positivité azana positivité té mona mboka azana positivité té par exemple opposé ngai motina na ko répondre ba kongomani lelo yo ba congolais depuis de ko wana espère ministre espère il y a ensemble pour la république ministre Abosani, mais oui azali ministre espère il y a ensemble pour la république okay. Abosani ki azala ki homme d'état a servi ki république ndé ko wana depuis azwa ministère wana. Par exemple, carte Oyo Babengara, il y a bande de chauffeur. Et c'est comme on a permis de conduire. Permis à la KT. Tinde quoi, on a démissionné. La République n'a pas les permis de conduire. Mais c'est déjà, ils allaient dans un bilan négatif. On a quoi, on a sali. De quoi, on a sali, on a avancé, on a salité. Parce que, en matière de transport, les lots, tout ça, par exemple, dans un Kinshasa. Le monde, le niveau de transport, ils ont beaucoup d'actions, ils ont été initiés, qui transacadémie, ils ont martyrisé par le ministre des Transports. Mais non, ils ont l'initiative, ils ont été. Transacadémie, ils ont été initiés, ils ont été sous gestion, il y a le ministère des Transports. Mais Ndeko, Azali, ministre, Azali, c'est parce que nous respectons la vision, ils ont été initiés. Mais ceux qui ont moni rupture et salé maki. Au moins, je remets aucun pays, il a essayé de. Il a essayé de faire quoi? Parce que si je vais revenir en arrière, il y a plusieurs conseils des ministres au Eleki. Et c'est Naki na Chéribé, et Bakopé sa Bakongolais permis de conduire. Mais jusque-là, il a été. Et il est toujours, jusqu'à ce qu'il est parti, il est incompétent. Okay. Il n'a pas fourni aux Congolais le permis de conduire. Et Motoyabongo, Gotang et Labissoye, quand on est chauffeur, Nanzela, il fallait qu'il ait permis de conduire. Et Lelo, le chauffeur congolais, a un permis de conduire depuis Espira. Très bien. Si on a un permis de conduire, est-ce qu'il y a un permis de conduire? Est-ce qu'il y a un moto qui a été là? Très bien. Continuez toujours l'histoire qu'on est ensemble pour la République. Il y a un Moïse Katumbi. De part, il y a et déstabiliser mon union sacrée t'es mon amour. Non non, union sacrée ils allaient déstabiliser t'es parce que politique et union sacrée bah comme il depuis mon amour comme Moïse Katumbi qui apparemment tu vois bilinga n'a pas union sacrée bilinga ils allaient t'es parce que union sacrée ils a parti politique t'es union sacrée ils allaient regroupement politique t'es comme si on regroupement politique pour ah bah comme Ikosenga union sacrée mais ceux qui bah comme Ikosenga et comme un regroupement politique, c'est à dire adhésion dans l'Union sacrée comme esprit est libre et désengagement tout comme dimana quatre union sacrée est appel libre parce que les lots union sacrée est ni parti politique ni regroupement politique est appel plateforme électorale c'est-à-dire Ndeko Katumbi tant on a trouvé que non intérêt naïe comme individu est alité à claquer porte à qui okay. Il a été libre, il est libre des partis. Mais Koloba, Kokedea, Ndeko Katumbi, et Salim Bilinga, Bilinga, la carte union sacrée, non, union sacrée, Tolingaka, véracité. Il fallait vérité et ça. Ndekoana, a Ebaï Kosala, Oye, a Salaki, a planifié qui, malheureusement, et Tikaliko Marchete, et à l'union sacrée se porte bien. Ce qui est l'union qui est ok, et ce qui est l'union Tikala, au Tikali, mais sauf que, na union sacrée, to gardaka, ben civique, et où bah, se comporte comme abété. Parce qu'à l'Union sacrée, quand tu as un problème avec la justice, il faut aller. Ce n'est pas l'Union sacrée de te protéger. Qui est né pour se défendre dans la justice. Justice, c'est Ali Yamboka. Et ceux qui, justice, c'est la VO. On est tel gars, on a justice. On est Ali politique. À l'Union sacrée, on est libre d'adhérer. On est libre de se désengager. Ça ne dépend à personne. Très bien. À l'Union sacrée, on est libre d'adhérer. Et puis, on est libre de s'engager. Moi, je suis Fabrice Belanga Koloba, je suis en train de faire l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Je suis en train de faire l'élection 2023, je suis en train de faire moi, question de la curiosité, quand tu as la carte d'électeur de Nika Dimana et Joseph Kabila, pour faire
carte d'électeur, il y a des Nika du Mana, il y a Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, on a compris la question. On a été reformulé la question. Bon, reformulé. On a la carte d'électeur. Parce que Kabila, à l'époque. On a la carte d'électeur, il y a des Nika du Mana. On a encore un peu de temps. Bon, quand tu as la carte d'électeur, il y a des Nika du Mana, il y a Corneille Nanga. C'est-à-dire, ça, il y a une différence, c'est ni. Il y a un mandat passé, il y a un mandat actuel. Il y a ok, il fallait tout expliquer aux Congolais. Carte d'électeur. Parce que le Congolais, il est passé en casse d'explication. Mais non, ils allaient il dépester. Bon, pour expliquer comme ma scientifique. Il faut rappeler que vous êtes candidat député national. Tout ce rappeler dans le Congolais, il y a carte d'électeur. Rôle, ils allaient pour la cause de la Pona. Et moto et Bourouri, ils ont ça, par exemple, beaucoup aussi. Moto a voulu engager République Lobby. Rôle y a carte électeur, ezali pona koe ba ko voter tout simplement. Tout à fait. C'est ça le rôle de la carte électeur. Maintenant, question ezali formulée na ndengo tuningai. Question ezali pona kota la catégorie to capacité to qualité il y a photo ou la carte. Mais non, moi je n'ai pas le choix. Moi je suis un électeur. Dans le passé, lorsque Nanga avait organisé l'enrôlement, moi je m'étais parti pour s'enrôler. Et Naeba Kikopona, candidat Nanga ou Nafotaki. Question Ezali, Yakota la carte d'électeur passée, la carte d'électeur actuelle. Mais question Ezali, Yakozo Anand, il faut s'enrôler premièrement ou s'approprier carte d'électeur. Parce que avancer Ezali Boud. Ce qui, au Tali, la différence, il y a. Carte et Nanga, non carte et actuelle, il y a Denis Kadima. Avancer dans Oya Kadima, ils allaient. Carte d'électeur actuelle, ceux qui ont été dans le centre au s'enrôler, fiche dans Yohana et qui ont été déjà dans ONIP. Au moins, ONIP, ils allaient déjà, organe où ils allaient à identification et à population. Après enrôlement, ONIP et qui ont été mis sur carte d'identité nationale. Moi, je ne vois pas les problèmes parce que. Dans le pays Moussoussou, ils allaient couper dans la carte d'électeur, dans le monde, il y a quand même Bilongi à Batouté. Ce qui est important, c'est que les gens ont un code. Le code de l'Ezali, c'est déjà dans la carte qui permet de voter. Par exemple, ceux qui ont un passeport, qui ont un passeport, qui ont un passeport, qui ont un présenté permis de conduire. Mais ils ont un présenté minuit de ma carte d'électeur. Très bien. Il faut te expliquer bah congolais rôle il y a carte na carte et non qui peut qu'on ait na carte de service il faut na qu'il y ait na carte d'électeur. Laissons la CENI faire le travail. Tout à fait. Je sais tous ceux qui mal habitués parce que dans le passé carte d'électeur et bandai qu'on a servi comme carte d'identité. Malheureusement les loyaux carte d'électeur et qu'on a na rôle car il y a aucun de voter et na 2023 comment on je crois c'est d'ici le mois de février ou le mois de mars donc on a une carte d'identité et qu'on permettre Bissot autant que sur une carte d'électeur c'est déjà une avancée, il faut féliciter le gouvernement tu vois qu'on a une critique parce que 40 ans passés na kati a 40 ans ou un an 18 ans il y a Ndeko Kabila ils ont na kati parce que vraiment bah ça bah donneur des leçons bah tu vas copier ça bah congolais carte d'identité nationale mais le lot il faut féliciter le gouvernement na 4 ans bah une initiative il y a copier ça bah congolais n'ignore ça carte d'identité nationale. Très bien. Mon amour, quand tu as l'année d'enrôlement, quand tu as l'année d'enrôlement à Kinshasa, est-ce qu'en 2023, il y aura vraiment des élections? Maintenant, tu as l'année d'enrôlement. Ma pronomie est allée, mais ma pronomie est allée, droit concessionnel. Constitution, moutou, et sengi, ma pronomie est allée. Mais ceux qui sont oyo, est allée, organe compétente, il y a organisation, il y a ma pronomie. Ce qui va en débalobi 2023, moyen bas ça la ma pronomie cause la thé. Ou en année tout recopé ça à vie. Mais actuellement, bango déjà balancé processus d'enrôlement. À l'occurrence, au moment un bateau au basala qui même contre enrôlement, bango moro bakéi déjà qu'on s'approprie carte d'électeur au basali qu'on critiquer. Donc, mutumoro azali qu'on dit non awa et ce qui a commis kuna à lobi oui. C'est-à-dire. Séninde Moutou a organisé déjà le processus d'enrôlement. Donc, il n'y a pas d'enrôlé. Ma pronomie en 2023, ils allaient droit concessionnel. Mais organes techniques, ils allaient séni. Ce qui est bon, c'est que je vais rassurer, c'est ma pronomie. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que
na koki ko yebisa ba congolais ki na 2023 ma ponomi ko zalate ma ponomi ezali to se préparer tout simplement très bien mon amour retrouve comment on a suivi azala ki skotcho ko landa chaîne sur congolais télévision message ni europe sa bango message europe sa bango to zali na fin de l'année mais malgré cela processus ya enrôlement ezali déjà lancé donc singa na bino biso ba congomani oyo tozali déjà majeur tokoki koyeba kopono mokonzi ya sika ba député ya sika ba gouverneur ba onyoso wana et ko sala biso malamu soki tokeyi ko s'approprier carte de lecteur carte de lecteur rôle na ngo ezali pona kopona kaka mokambi to ba kambio ba koyeba ko kamba biso après 2023. Très bien. Bolanda et maloba oyo bandeko bazali ko sala biso te. Oh photo ezali boye. Non non. Ezali te elongi na yo mutu ekende ko voter. Mais ezali le fait osa déjà na carte one ya onde europe sa yo accès au quota au voter. Carte d'identité nationale ezali koya oyo ezala likolo même ya ba passeport ototambola kana yango. C'est-à-dire peuple congolais lancement et identification et c'est Salemaki lancement et enrôlement ils allaient déjà lancer tokené to s'enrôler toye bapé ko soutenir ba institution ya mboka na pécipé mboté na ba kongomani nyonso balanda biso na Congo Live Télévision m'attend du mona mboka Fabrice Belanga d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. We'll be right back.